Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 29 mai 2021, direction l'hippodrome d'Enghien pour le prix de l'Obélisque. Troisième course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Un très beau Grand Prix parisien européen aura lieu du côté de Soisy. Sur le parcours des 2150 mètres de la piste à main gauche, le départ sera logiquement donné avec l'aide de l'autostart. 14 compétiteurs de qualité se présenteront au starter lors de cette course B, richement dotée. Précisons d'ailleurs que 8 partiront en première ligne ici. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 6, Wool Lotalove. Ce pensionnaire de Philippe Dojard est en feu actuellement puisqu'il reste sur 3 victoires consécutives. Appréciant la piste d'Enghien et s'élançant avec le numéro 6, il vise logiquement un quatrième succès de rang. En deuxième choix, le numéro 7, Carnaval du Vivier. Ce pensionnaire de la famille Duval d'Estaing vient de s'imposer avec un certain brio sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En grande forme et d'une belle régularité dans l'ensemble, il est une belle base pour le Quintet Plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Et voilà deux muses. Sébastien Garateau l'aime bien et le trouve en très belle forme le matin. Associé à Éric Raffin pour la circonstance, il doit logiquement monter sur le podium. En quatrième position viendra le numéro 10, Dénicheur du Vif. C'est un cheval de grande qualité qui apprécie particulièrement les parcours réduits. Restant sur une belle quatrième place obtenue en Scandinavie, plus précisément pardon, au Danemark, il peut théoriquement terminer dans le quintet. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Equinox JL. Remarquablement placé derrière la voiture avec le numéro 5, piloté par Mathieu Abrivard et restant sur une excellente deuxième place, il aura des fans. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 1, BPEAM. Laurent-Claude Abrivard l'a depuis peu dans ses box, mais l'aime beaucoup. Ayant quelques perfs à l'attelage, il revient d'outre-montée avec l'ambition de terminer dans le Quintet Plus. En avant-dernier choix sera retenu le numéro 12, Vincent Ferme. Yannick Desmet fait appel au service de Jean-Michel Bazire, qui l'a déjà drivé. Déféré des quatre pieds et en deuxième ligne, s'il trotte, il peut logiquement jouer un bon rôle à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Derby du Dollar. Sylvain Roger, son mentor, affiche une très grande confiance avant-coup. À David Thomain de bien faire avec ce cheval qui sera déféré des quatre pieds aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 8, Dacha, qui aura contre elle de s'élancer avec un numéro quelque peu en dehors, peut logiquement faire partie de notre combinaison en 8 s'il y avait non partant. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Turf Sélection réalise une très belle performance en indiquant le tiercé des ordres de 153 euros, le quartet des ordres de 498 euros, sans oublier un quintet plus faisant plus de 600 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois au